Bonjour les amis. Ben voilà, je suis sur la direction du Cap Nord. Bonjour à tous. Kilomètre, je suis parti il y a une heure environ en direction Gänzendorf. Donc je ne vais pas tarder à quitter Vienne. Voilà, donc je me retrouve sur des petits sentiers bien sympas. Coucou. Hop, ND, Schluss, à pied. Confiance au GPS. Donc voilà, c'est ma troisième étape. Je suis au kilomètre 80 à peu près. Bon, je trouvais le trajet un peu monotone par rapport à hier. C'est soit des grandes routes à forte circulation, alors on se trouve en plein milieu des champs comme maintenant. Pas mal de vent comme d'habitude.
je suis au kilomètre 140 sur un chemin forestier. Hop là. Et là j'arrive sans issue quelque part. Bon, on va essayer de passer déjà. On va pas passer. C'est marécage partout. Vive la nature! J'ai voulu prendre un sentier forestier, mais malheureusement il n'y a pas de débouché. Bon, ben, vivement la Finlande. Je suis donc toujours en Pologne. J'entame ma cinquième étape sur un beau chemin forestier. Ce chemin est destiné pour les vélos à voyage. C'est pas toujours le cas. J'ai l'impression de pas avancer ici. Oups là. Oula. Les pneus. Oups. Ah. Là, là. La première chute. Oh. Bon, il nous pique partout. Allez, c'est reparti. Bien. Des chemins qui sont peut-être plus destinés pour les VTT. Vraiment la plus belle étape du début. Vraiment en contact avec la nature.
étape. Septième étape, je suis parti donc de Elk ce matin, à peu près à 8h30. Donc le temps est exactement idéal pour faire du vélo. Nuageux, de temps en temps ensoleillé. Et donc, je suis à peu près à 40. Oh, regardez ici une cigogne, je vois. Est-ce qu'on la voit sur la caméra? Donc, comme on peut voir, il y a beaucoup de cigognes ici. J'ai dû en voir une centaine ce matin. Alors ici, c'est le point où délimitent les trois frontières. Donc ici, devant moi, là, c'est la Pologne. J'avance. Ici, à partir du trait, c'est la Russie. Je rentre en Russie. Je ressors de la Russie et je suis en Lituanie. Et là, maintenant, je retourne en Pologne. Donc on voit bien que la frontière russe est bien délimitée par des barbelés là-bas. Quelques petites nouvelles rapides. Aujourd'hui, c'est ma 8e étape. Donc, je suis toujours en Lituanie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que le paysage est quand même bien différent de la Pologne. C'est un paysage très plat, avec des champs à perte de vue. Pas toujours les petits chemins forestiers comme on peut voir. J'arrive, je suis à 10 km de Riga à peu près, 10 à 15. Donc voilà, ces routes là on peut pas toujours les éviter, surtout qu'on arrive dans une capitale là. Mēnestīņis, mēnestīņis, vai tie mani.
Yksi, kaksi, kolme, neljä. Anna iloinen olla, koska suru tulee. Anna hänen mennä. Parmat ne laulaa, neljä hiirtä hyppelee. Kissi lyö pihitrummun päälle ja koko maailma pauhaa. Yksi, kaksi, kolme, neljä, anna iloinen olla, koska suru tulee, anna hänen mennä. Yksi, kaksi, kolme, neljä, anna iloinen olla, koska suru tulee, anna hänen mennä. Parmat ne laulaa, neljä hiirtä hyppelee. Kissi lyö pihitrummun päälle ja koko maailma kauhaa. Parmat ne laulaa, neljä hiirtä hyppelee. Kissi lyö pihitrummun päälle ja koko maailma kauhaa. Please. Really happy. And now you in that town? Yes, I hit no. Yes. I'm so happy. Yeah. Thank you for the challenge. Then she will ask you, will you have this white onion sauce? White onion sauce? Sauce, yes, please. Yeah. And how do I cast it? Yeah. Like it. So. Kiva kun vähän apuna. Minä en ymmärrä mitään yhtään. Mun tyttären poika tulee USA:sta ja minä en ymmärrä sitä, eikä se ymmärrä minua. Yeah. Mutta onneksi meillä on sitä nuorta porukkaa. I come from France. Okay. But I live in Austria, in Vienna. Okay. Yes. Yeah. I come with the bike. Yeah, I saw when you came. Yeah, I go to nightclub. Okay. Yeah. How long time have you? I need 12 days from Vienna until here. Ah, thank you. Thank you very much. Okay. Yes. Yeah. Have a nice day. Have a nice day. C'est le troisième orage aujourd'hui.
avec de la grêle cette fois-ci là. Donc je suis dans un arrêt de bus, un tout petit arrêt de bus que je vais vous faire voir maintenant, tout court. Hop. Et voilà, ça c'est mon abri pour combien de temps, je ne sais pas. Bonjour à tous. Alors, quelques nouvelles aujourd'hui. C'est ma 17e étape donc. Et ben voilà, toujours des lacs, la forêt, des lacs, la forêt. Ça n'arrête pas. Et puis, donc aujourd'hui, j'ai pris une route, je roule sur une route principale pour gagner quelques kilomètres, pour bien profiter de la Laponie qui va arriver dans, bah, d'ici deux jours. Et comme j'ai pas mal zigzagué hier entre les lacs, sur des chemins, dans la forêt, donc j'ai bien profité de la nature ces derniers jours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fonce vers Oulu. Ça va faire à peu près 180-200 km à voir. Sinon, pas de bobo, hein, pas de bobo aux fesses, tout va bien, le derrière va très bien, les jambes aussi impeccables. So, es ist 23 Uhr 45. Ja, ich bin immer am Weg. Ich habe versucht, mein Zelt zu montieren, aber es hat nur ein paar Sekunden gedauert, weil es ist so viel Geld da. Und ja, ich habe gedacht, dann fahre ich weiter. Und außerdem, ich bin überhaupt nicht müde. Mir geht es sehr gut. Und ich bin 80 Kilometer von Rovaniemi, dann ich werde wahrscheinlich ganz langsam nach Rovaniemi fahren und werde ich wahrscheinlich morgen eine Pause machen. Und ja, so schaut das aus. Okay, tschüss, gute Nacht. Il est 4h du matin, donc finalement j'ai passé la nuit à rouler. Et à rouler sur des chemins forestiers pendant 5 heures environ, j'étais sur en pleine forêt. Il y a 5 minutes, il y a à peine 5-10 minutes, j'ai aperçu un élan traverser le sentier à toute berzingue devant moi. Il était quoi, à 30 mètres de moi. Qu'est-ce qui m'a surpris, c'est une bête énorme. J'en attrape des frissons encore. Bon, évidemment, j'ai surpris, sinon on n'aurait pas couru comme ça. Le sol en vibrait tellement que... qui était énorme. En tout cas, ça fait drôle. Puis finalement, je suis pas trop fatigué. Puis avec l'élan que j'ai vu là, ça m'a bien réveillé d'ailleurs. Et puis je continue le chemin sur Rovaniemi là, encore 50 km. Et puis je vais sûrement prendre ma journée pour me reposer. Aller voir la maison du Papa Noël peut-être, je vais voir. Mais sinon, pendant cette nuit, il faisait pas si chaud que ça, il faisait à peu près... J'ai vu sur mon thermomètre 6,5 degrés. Donc ça surprend un peu là. Hein.
Going.
Je suis maintenant sur la route E6, donc c'est la route principale qui monte au Cap Nord. C'est la seule et unique route d'ailleurs. Tout le monde roule sur cette route-là, que ce soit les camping-cars, les motos, enfin les camions, enfin tous quoi. Bon, elle est un peu monotone cette route-là, c'est bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Ce qui concerne la météo, je suis parti avec un superbe soleil ce matin. Il faisait même 20 degrés, j'avais seulement le t-shirt et le short. Et là, en espace de 3 heures, la température a bien baissé. Il fait 8,5, un vent de face. Donc je vous dis pas de quelle direction qu'il est, hein, ça vous devinez. Et puis j'ai dû mettre le pantalon, le pull, la veste, le bonnet, les gants, ça va pas tarder d'ailleurs. Le GPS il s'est mis en mode nuit, il fait tellement sombre. Bon, moi je devrais enlever mes lunettes, j'ai pas changé mes verres encore. Et puis voilà, donc sinon je vais pas tarder à... J'arrive dans une ville, je vais chercher quelque chose pour dormir. Et puis en ce qui concerne demain, eh ben, comme il me reste à peu près 180 km à faire, soit ça va être selon la météo. S'ils annoncent un superbe temps pour demain, je vais faire une étape. J'arriverai vers midi, vers minuit, donc pour voir le soleil de minuit. Et s'ils annoncent meilleur pour après-demain, je vais faire en deux étapes, tranquillement. Voilà, c'était tout pour le moment. Oh.
On voit que dalle ici. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Salut les amis, ben là je suis dans un tunnel depuis un kilomètre. Ça fait une drôle d'impression quand même, avec le bruit des voitures. C'est humide partout, la route est bien trempée, une baisse de température, et le tunnel va durer normalement 2,5 km, 2,7 km, un truc comme ça. Mais c'est pas le plus long, il y en a un autre qui va m'attendre là dans quelques kilomètres. Et bien voilà, je suis à 50 km du Cap Nord. Et là, je me trouve devant ce sacré tunnel. Le sacré tunnel qui se nomme le Nord Cap Tunnel. Il fait 6,8 km de long. Et il a quelque chose de particulier, ce tunnel. C'est que il y aura une descente, une belle descente de 9%. Plus de 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. Donc ce sera la même chose, donc ça va remonter, il y aura 9% de montée à peu près. C'est un arrêt obligatoire pour les cyclotouristes pour se préparer à vérifier si les clignotants, les phares marchent bien, bien s'habiller. Ce soi-disant la température, il va faire 5 degrés en bas et la route sera probablement mouillée. Et puis le bruit des voitures, surtout des bus qui vont passer aussi. Hey, back up, thank you. Voilà, on rentre dans le tunnel là maintenant. Ce sacré tunnel. Ça résonne bien d'ailleurs. C'est quoi ça? Donc j'ai rencontré un Allemand justement. Et bon, on roule tous les deux. Qui est derrière moi. Es wird ein komisches Gefühl sein. 6 Kilometer lang, es wird ein komisches Gefühl. Wir bald geschafft. Pas possible, il fait très froid.
à 4,9 degrés au thermomètre. En fait, c'est un peu n'importe quoi parce que j'ai rien voir du tout. Tout ça pour aller voir, pour être sur le point le plus haut d'Europe. Je vais voir quoi ? Je vais probablement voir là. J'ai même du mal à parler, il fait tellement froid. Voir la sphère. La sphère, le point symbolique du Cap Nord, et c'est tout probablement. Donc j'ai mis 3 pulls. Allez. J'ai mis 3 pulls, j'ai presque vidé mes sacoches, j'ai 3 pantalons, le bonnet, la capuche, et puis les gants évidemment. Hey, I know you.